Bonjour, mes respects. Nous sommes à l'hôtel Bellevue. L'hôtel Bellevue, où le premier cas coronavirus a été détecté en République démocratique du Congo. L'hôtel est systématiquement fermé. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Vous voyez le déploiement de la police. Nous sommes en train d'attendre de nouvelles instructions provenant de votre part. Et comme ça, nous saurons quoi faire. Pour le moment, la première des choses la plus importante, c'était de sécuriser l'hôtel, empêcher qu'il y ait d'entrée et de sortie, excepté peut-être les médecins qui vont s'occuper du malade. Et toutes les précautions sont prises. Nous attendons à ce que aussi la police soit dotée des équipements pour pouvoir lui permettre de se protéger. Plus dans vos ordres, mon général. La maladie à coronavirus est une maladie infectieuse qui affecte les voies respiratoires. Elle se propage principalement par de gouttelettes respiratoires expulsées par des personnes atteintes de la maladie et qui toussent. Les symptômes les plus courants de COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme. Quelques mesures de protection pour tous pour éviter la contamination. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après. Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consultez un médecin après l'avoir appelé et suivez les instructions des autorités sanitaires locales. Chers compatriotes, nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus COVID-19 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin, âgée de 52 ans, de nationalité congolaise, résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars, en provenance de la France. À son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour des symptômes suivants. La fièvre, la toux et le rhume. Sur la base de ces symptômes et au vu de ses antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au COVID-19 il y a quelques heures. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable. Il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche
et le nez avec le pli de coude ou avec... Mokozia Milimo, Zoalokumu Seigneur. Voilà, Maman Lisette, merci de retour encore dans sur ce plateau. Nous avons suivi, moi extrêmement co. Vous appelez pas follow Azé Belé, maman. Follow Azé. Non, anyway, ça c'est juste pour amuser la galerie. Anyway, l'album, c'est pour quand? Je ne peux pas vous dire pour le moment, mais ça se prépare. Ça se prépare. On est déjà presque à la fin. On est presque à la fin avec le travail que nous faisons. Par la grâce de Dieu, on va annoncer d'ici là, donc c'est pas encore pour longtemps. On va vous annoncer au peuple. Le titre est déjà là quand même. Oui, le titre est comme...